Depuis 2009, le Gabon s'est doté de l'une des meilleures infrastructures numériques du continent, avec un maillage territorial très large. Cela a permis l'élargissement du secteur de l'économie numérique, avec l'apparition d'abord d'entreprises positionnées dans le domaine des infrastructures et des équipements. Dès lors, l'écosystème des startups au Gabon s'est fortement développé et structuré. À ce jour, on compte près de 200 startups dans le pays. Plusieurs secteurs sont touchés par l'implantation des startups dans le pays, notamment la communication digitale, le community management des institutions ou des entreprises privées. Ces startups embauchent en moyenne plus de 5 personnes et réalisent des chiffres d'affaires qui varient entre 50 millions à plus de 200 millions de francs CFA par an. Certaines startups soutenues par plusieurs incubateurs présents sur le territoire national impactent les chaînes de valeur des secteurs économiques traditionnels. Dans l'immobilier, par exemple, les startups proposent des plateformes en ligne pour des locations à court et moyen terme et la valorisation des biens immobiliers. Ces deux dernières années, ce secteur a facilité la vente de plus de 3000 nuitées et la réalisation de plus de 100 millions de francs CFA de location. Aussi, dans la restauration, les startups ont changé les habitudes de consommation des Gabonais depuis la période de Covid-19. Ces applications de livraison de repas locaux ont réalisé plus de 150 000 livraisons en 2023. Le secteur de la santé n'est pas en reste. À lui seul, il a vu apparaître de nombreux fournisseurs de solutions numériques locales, notamment qui proposent des solutions de gestion des hôpitaux, de l'annuaire de santé et de prise de rendez-vous.